Sont-ils devenus, maman? Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus, maman? Histoire d'un gigolo qui a sévi. Que sont-ils devenus? C'est de ça qu'il s'agit, maman, partager. Je voulais go, non, mais j'ai pensé à quelque chose, maman. Les gigolos finissent toujours comme ça. Je vais vous raconter. Hé, partager, maman. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus, maman? Que sont-ils devenus, maman? Je vais vous parler d'une histoire. Dieu ne dort. Dieu ne dort. Dieu ne dort. Dieu ne dort. Merde. Dieu ne dort pas partagé, maman. Hé, que sont-ils devenus? Le gigolo finit toujours mal. Que sont-ils devenus, maman? Que sont-ils devenus? Histoire. Aoula, aoula. Aoula, aoula. Histoire, raconte. Je vais raconter, j'ai quoi faire. Histoire. Un gigolo qui a fait mal. Attendez, je partage. Les gens. Un gigolo qui a fait mal. Devinette. Un gigolo qui avait fait les jumeaux. Il faisait la stamaya sur Facebook, il m'insultait tout le temps ici sur Facebook. Un gigolo. Maman, il était en Russie, là-bas chez les Russes. Il a pris une femme, il a flatté la fille d'autrui, enceinte, mettre les jumeaux. Il dormait par terre, donnez le nom. Donnez le nom, je raconte l'histoire, non? Aoula, oula. Aoula, oula. Appuyez sur les cœurs, sécurisez. Maman, donnez-moi son nom. Le gars en Russie là-bas. Il commençait d'être star sur Facebook, soit déjà star, mais il avait mon nom. Il cherchait ici. Donnez son nom, pardon. L'histoire de la petite queue, hein? Arrêtez, bébé. Que sont-ils devenus? Arrêtez, bébé. Maman. Maman, que sont-tu devenu? Ah, Arissi bébé, je voulais vous donner ces les nouvelles d'Arissi bébé. N'est-ce qu'il était la star? Il tournait là sur Facebook partout, il faisait les directs. Arissi bébé, que tu venais dans les champs, au fin fond. Du village, que sa vie est finie à laisser bébé. Les femmes, quand un homme vous fait donner à Dieu, maman, il avait pris deux, ça, une gars que sa famille envoyait faire l'école, enceinte, fait deux enfants dessus, abandonné. Il bagarrait, il était là sur Internet avec les filles de Mbeng pour chercher la route. Arrêtez, bébé, une fille lui a fait ça, tu. Maman! Il croyait qu'il avait trouvé le mariage en Belgique avec une autre. Il a fait à Langa. Langa partait le voir. Là-bas, en Russie. Arrêtez, bébé, il draguait encore d'autres gars. Il avait les dossiers. La fille de Belgique, là. Vous connaissez sa gars de Belgique qui dépensait sur lui, là. Elle a plié petit doigt qu'elle est super bien. Elle te fait.
Elle a flatté à dit, mais bébé, go au pays et viens t'épouser là-bas. Elle a payé son bien. Maman, arrêtez, bébé a eu. Il trompait la fille là. Maman. Donc, la fille était là, elle dépensait son argent. Elle apprenait qu'Arizim bébé encore avec un gars. Elle a plié le petit doigt. Arizim bébé a gigolé. Et il visait encore à lui, à une fille ici en France. Elle a dit que, ok. Elle a flatté Arizim bébé que. Va ton bien, va au pays, je vais venir t'épouser. Comme ça, tu auras la main. Entre-temps, le passeport d'Arizim bébé était presque périmé. Il était question, parce que pour rentrer dans ton pays, on s'en fout. Que tu aies le Kaolo ou pas, quand tu rentres dans ton pays, on te demande quoi. Pas si tu veux. Voilà Arizim bébé qui prend tout suite. Il sort de son trou où il était. Des habits qu'il avait, il vend, il avait déjà dit au revoir aux gens, comment il rentre, pas au Cameroun, pas le visa pour aller s'installer en Belgique. Et tout. Entre-temps, Sanga avait deux enfants là, elle souffrait toujours. Mes chers frères et sœurs, Arissé Mébé, il est donc Bakoko. Il est Bakoko. Dès qu'il arrivait, ils avaient donné la date de mariage que tôt il a dit à sa famille, ne vous inquiétez pas, je suis venu comme ça, je vais me marier. Maman, quand il a appelé la fille lui a dit qu'elle est ne compose plus jamais mon numéro. Comme tu es rangé là, je te bloque tout ce que tu m'as fait à Chouka. Voilà, ici, bébé, ça fait 3 ans, il est calé au pays. Il est même dans qu'au village, il cultive les champs. Le voilà maintenant au village. On m'a donné le nom du village, si tu le vois. Nanga. Maman. Arrêtez, bébé, appelé Nanga. Que oui, la vie a dit que le mariage avec qui tu es malade. Donc, toi, tu croyais que. Arrêtez, bébé, t'es eu. Tu es rentré au pays, à Chouka. C'est comme ça que la fille a fermé les téléphones. Elle est en Belgique. Elle a dit que mes bébés te fait. Il est là-bas au village, il cultive les gens. Oh, ah. Voilà sa vie qui s'est arrêtée comme ça. Vous le voyez encore faire les directs. Il n'a pas la connexion. Il va prendre l'argent où? Pour acheter le crédit. Hein? Entre-temps, Dieu a donc béni la mère de ses enfants. Elle a eu ses kaolo. Donc, à l'heure où je parlais, elle est au pays. Elle a eu ses papiers, elle a été régularisée. Ses enfants ont eu les papiers. Arisim Mébé l'avait abandonné, tombé derrière, soi-disant, une benguise. Dieu a fait le palabre. Le voilà qui cultive le champ. Arisim Mébé. Quand Dieu aux hommes qu'on ne s'amuse pas avec les jumeaux. Hein. Le voilà, il cultive le champ. Il y a même ses photos, maman, si vous le voyez. Il est au champ, il avait les culottes. C'est sûr que les mounmouts, c'est mal le trait. La fille de la Belgique a dit à sa famille que je le connais où. Il vous a dit qu'il me connaît. Il a déjà fait. Donc, chaque fois qu'il dit c'est mal, il a déjà pleuré. Il dit que si vous voyez les vidéos, comment il pleure. Maman, quand un homme pleure, ça fait pitié. Il faut le voir, il fait la gangue. Il pleure. Pardon. Même la connaît. Il faut voir ici, bébé, quand il pleure. Pardon. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu m'as fait valer me laisser rester en Russie? Le Camerounais. Arrêtez, bébé. Il faut voir ces vidéos de pleurs. Le Camerounais est dur. Mieux la Russie qu'ici. Tout le monde se moque de moi. Il me fait comment pour repartir? Même pour repartir. En Russie, il n'a pas le passeport. Il manque 100.
c'est 120, 130 000 pour faire le passeport. Il n'a pas. Il veut lancer la quête. Il veut lancer la quête. On lui a fait ça dur. Une vieille chouette lui a fait ça. Oh, ah. Oui. Elle a fait bac au pays. Elle était que ses téléphones. Que quoi? Tu étais marié à qui? Tu es malade. Pourquoi tu viens ici une fois finir avec moi? Tu es malade. Ah, si bébé allait appeler, il cherche les téléphones, il appelle la vieille chouette, elle a dit que tu es malade. Ma femme, elle là-bas avec ça. Oh, il pleure. Il pleure, ça fait quoi? Il faut voir les durées quand il pleut. Il fait les vidéos de pleurs. Oh, je suis ici même manger, je n'ai pas. C'est dur. Le Cameroun est dur. Mieux encore mourir en Russie qu'ici. Je vais faire que je suis au village. Même payer la location en ville. À Yaoundé l'a dépassé. Il ne peut pas. Il vit au village. Il allait prendre une chambre au village là-bas chez quelqu'un qui a construit. Vous savez que dans les villages, les gens qui construisent n'habitent pas là. Donc, il cherche les gens pour entretenir et réchauffer la maison. Donc, maintenant, Haïti Mébé réchauffe la maison de quelqu'un au pays. Quand quoi, qui allait demander le visa de l'Italie? Quand vous êtes ici en Bengue, on vous promet que le pays, maman, le pays est bon pour un mois, deux mois, trois mois. À partir de trois mois, tu commences à voir le feu. Mieux, hein? Mieux ici. Quoi? Le pays est bon pour les gens qui ont les dos. Mais tu ne vas pas me dire que quelqu'un comme Billy Akele, quelqu'un qui a Boza, il arrive en Bengue. Il vient faire les conneries que ou ses patriotes jusqu'à ce que on le rapatrie. Vous trouvez ça normal? Mais comme il avait alors fait ça l'a rapporté quoi? Les gens vous promettent les choses quand vous êtes ici. Et quand tu arrives au pays, ce n'est plus ça. Billy, ça fait combien? Il était sur Facebook, il insultait, il croyait que c'est en faisant ça que le pays allait l'aimer. Ben non. Je l'ai rencontré chez Madame Chapuis. On a même dîné ensemble ce jour. Ok, je vais demander alors à Aristide Mébé de contacter Choukré. Pour que Choukré lui donne le travail, non? Comme Choukré en Bengue maintenant, il peut vivre dans la chambre de Choukré. Parce que la chambre de Choukré est bien. C'est bien décoré, Bengue. Il habite là-bas dedans, il travaille, il nourrit, il donne l'eau au poulet. Oui, Aristide Mébé, je peux te trouver le travail chez Choukré. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu nourris, tu donnes l'eau au poulet le matin, tu donnes leur nourriture. C'est tout. On te paye le mois. Si tu gagnes, tu habites là-bas au village, on te paye même 40, 50 piles le mois. C'est petit. Que Billy est où? Billy, à quel est devenu quoi? Maman, je ne connais pas son histoire. Oh. Il faut demander à Madame Chapuis, c'est son fils. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas son histoire. J'ai parlé de Aristide Mébé parce que c'était une blessée de guerre. Il est passé ici devant nous. Il faisait les directs, comment il est ci, il est ça. Le voilà au pays. On peut cultiver même les champs parce que la terre ne trompe pas. Ça rapporte. Mais en quantité industrielle que tu es venu en Bengue, tu rentres que m'en vais investir. Tu as même les machines pour transformer même tes nourritures. Si c'est les plantains que tu fais des chips de plantains, tout ça. Tu rentres fait en quantité à gogo. Tu rentres fait professionnel. Pas encore prendre la roue pour faire coucou. Prends les machettes. Coucou. Quand on dit qu'on est un grand planteur, on est des employés. Toi-même, tu es au champ, tu coupes quoi que si ça coupe ton doigt. Ah, ici, bébé, cherche quoi au champ? Hein? Tu as les employés. Il y a les gens là. Oh, comment on les appelle? Les chimbis. Quand il dit les chimbis, c'est quoi? Les gens de Bamenda, ils sont très forts dans ça. Tu emploies les Bamenda, tu les payes, tu construis une maison pour eux. Ils sont là, ils sont honnêtes, ils travaillent dans tes champs. C'est comme ça. C'est pas que quand ici, mais ils rentrent même que le passeport est périmé. Mais ils comptent sur une femme. Vraiment, les hommes sont terribles. Ils comptent sur une femme qui va venir de Mbé, l'épouser, pour le ramener en Belgique. La femme, là, dès qu'il est arrivé, elle a dit que n'appelle plus jamais mon numéro. Tu m'oublies. Aïssi Mébé a pleuré toutes ses larmes, rien. Bon, il est devenu quoi? Que Billy est...
Les abeilles, il y a Brice Ateba qui dit laissez la lionne tranquille, c'est votre soeur. Il faut la laisser tranquille, c'est vrai, c'est ma fille. Il faut la laisser tranquille. Mais j'ai voulu lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Parce qu'il y a des choses, moi, quand j'ai vu qu'elle a mis la photo d'Achille, moi, ça m'a choqué. Pour moi, c'est la provocation. C'est un mépris, c'est un manque de respect. Et c'est mon devoir, c'est de lui dire. Je n'ai pas à lui dire ça derrière, non. J'ai discuté avec elle. C'est pas comme si je vous ai dit que je lui avais dit au Cameroun, je ne veux pas que tu postes les photos que tu as fait avec Achille sur Facebook. C'est le conseil d'une mère, d'une grande sœur. C'est tout. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui l'anime. Mais bon, j'espère qu'elle a compris qu'il ne faut pas mélanger les choses. Nous, on est venus sur Facebook, on a commencé à faire des clashs. On s'est fatigué de ça, ça ne nous intéresse plus. Quand on parle de clash, nous on a fait les guerres. Hein? Même les abeilles là, beaucoup d'abeilles même, ils viennent quand c'est la guerre. Mais ils estiment qu'on est en guerre avec personne. Non, c'est fini tout ça, on vieillit. On passe à autre chose. Quand on disait que la guerre, les abeilles, le port de Pyongyang, tout ça là. Mais les abeilles veillaient sur la sécurité de la reine mère. Donc pendant que je dors, ils veillent sur ma sécurité. Oui. Il y avait les groupes du matin et les groupes du soir. Pendant que l'autre dorme, d'autres travaillent. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Ils arrivent au travail, ils dorment. Ils dorment, ils font quoi la nuit? Ils font la sécurité de ma fou. Je ne peux que les dire merci. Il n'y a plus de travail. Les abeilles n'ont plus de travail. Mais quand il y a vraiment que travail, ils sont là. Mais ils ont compris que même moi qui suis leur leader, ça ne m'intéresse plus. Les guéguerres. Franchement, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. On peut ne pas s'aimer, mais que chacun reste dans son coin, on se respecte. Voilà Madame Cooper, une fille qui était joyeuse, qui était bien. Elle est partie avec quoi? Elle est partie avec quoi? Les gens prennent son deuil pour faire le buzz. Quelqu'un décède, c'est où chacun vient parler pour avoir la visibilité. Moi, je ne comprends pas les Camerounais. Mais vous ne respectez même pas la dépouille des gens. Vous ne respectez même pas la dépouille. C'est chacun qui sort là-bas d'ici. C'est chacun qui dit sort là-bas. Elle n'est plus là. Qu'elle soit dans une secte ou pas. En quoi ça vous regarde? Moi, je ne comprends pas. Hein? Mais je ne comprends même pas cette histoire-là que secte ou quoi. Pour moi, elle est morte parce qu'on l'a empoisonnée. Et rien ne peut changer ça dans ma tête. C'est qu'elle a été le cancer, qu'on dit qu'elle avait le cancer. Le cancer qu'elle n'a jamais été hospitalisée. On ne voit même pas qu'elle prend les trucs là qui enlèvent les cheveux là. Tout ça, elle s'est fait traiter quand? Non. L'homme est mauvais. C'est pour ça qu'on vous dit ici de OK. Même quand tu pars en bain, tu ne dis pas. Les premiers détracteurs, ce sont les gens qui sont autour. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Ce sont ses amis de la Réunion. Si c'était que la police camerounaise, vraiment, je ne simplifie pas leur travail. Mais une fille, une jeune fille comme ça qui meurt, mais on arrête tous ceux qui étaient à la Réunion. Bon, quoique, même si on arrête tout ce qui est à la Réunion, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La personne qui a tué cette fille, que la personne ne reste pas mourir, que la personne reste éternelle toute sa vie. Mais ce n'est pas possible. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi cette façon d'envier les gens? C'est quoi cette façon de faire? Allô, Yaya? Oh, ça va, Yaya? Je suis désolée. Hier, on est arrivé. J'avais trop bu 3 bouteilles de champagne. Je me suis garée même à la sortie d'autoroute, là. Oui, je n'étais pas bien. Je ne pouvais pas conduire. À un moment donné, j'ai senti. Mais je suis sortie de l'autoroute. Je suis allée me garer dans un parc. Et puis j'ai dormi dans la voiture. Oui, je pouvais pas. À un moment donné, parce que j'avais pas mangé. Oh non, non, non. Ah oui, je t'assure, je suis rentrée, il était 6 h, c'est ma copine qui a conduit. Oui, j'ai dû dire que non, je ne pouvais pas conduire. J'étais là, elle aussi, elle avait bu. Donc, du coup, on s'est garé sur aire de repos. J'ai dormi, j'étais mal. Vers 6 h, on a démarré la voiture. Non, la prochaine fois, on va d'abord manger le tabac. Oui. Oui.
C'était très bien. Merci pour la soirée. C'était magnifique. J'ai beaucoup aimé là-bas. Hein. Ah ouais, d'accord. De toutes les façons, la prochaine fois, c'est nous, on vous invite, hein, il n'y a pas de problème. Ah oui, avec plaisir. Hein. Ouais. Non, la soirée, c'était bien, c'était bien. Ouais, c'était bien. C'était pas mal, hein, la rumba, moi, j'ai bien aimé. Ça change un peu des milieux camerounais, là. Ouais, j'avais pas envie d'aller dans un truc amer. T'as vu, il y a beaucoup de Camerounais là-bas hein, qui viennent s'amuser. Oui, très très bien. Tu au travail encore? Ah ouais, oh là là. Oh là, tu étais fatigué aussi, hein. D'accord. Ah, il faut pas une vieille fraîche, hein. Ah ouais. D'accord. En tout cas, comme tu es encore dehors, je te rappelle dans 20 minutes. D'accord, à tout de suite. Bisous. Désolé. Donc, du coup, j'étais en train de dire que. Qu'est-ce que je disais? J'ai dit que. Voilà, vivez vos vies, hein. Franchement, mais avec beaucoup, il faut vivre vos vies, quoi. Et surtout, moi, je pense que la discrétion, quand même. Les gens sont très jaloux, hein. Les gens sont très jaloux. Mais quand les gens parlent de secte, ici en Europe, les sectes, c'est les églises. Oui. C'est les églises. Il n'y a pas que je t'amène à la réunion, après tu vas devenir riche à la réunion. Ici, on travaille pour aller cotiser. Moi, je ne comprends pas comment il n'y a pas ces choses-là ici en Europe. C'est en Afrique qu'il y a ça en fait. Je ne comprends pas. Les histoires que les gens vous demandent d'aller vous protéger, les trucs comme ça, là, tu te protèges contre quoi? Il ne faut pas accepter les trucs comme ça. Les gens vous amènent chez les marabouts, allez se protéger, allez se laver. Même s'il faut se laver, même s'il faut faire une cérémonie. C'est dans ta famille. Tu as ta mère, tu as ton père, tu as tes soeurs, tu as les représentants de ta famille. Et même, pourquoi? Pourquoi vouloir à tout prix se protéger? C'est la sueur de ton front. Tu travailles, tu te bats. Pourquoi tu vas absolument te protéger? Se protéger de quoi? Il faut voir ces jeunes-là. Ici, quand on dit que quelqu'un est gay, ça, c'est un truc que la personne est comme ça. Ce n'est pas que, comme en Afrique, on dit que oui, la personne est comme ça pour gagner l'argent, mais pour gagner quel genre d'argent, en fait? Moi, je ne comprends pas. Tantôt, c'est les sectes, c'est les machins. Moi, je comprends pas. Il n'y a pas tout ça ici. Alors, pourquoi? Il n'y a pas tout ça ici. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a dit que j'étais en France. Une personne m'a dit que la compagne a eu une réunion. Après, on m'a demandé la viande. Après, c'était un être humain. C'était la chèvre. Ou bien que, comme c'est toujours les chèvres, que soi-disant qu'on demande là. Les chèvres de sacrifice comme Bossangui. Parce que Bossangui est du Canada. C'est une chèvre de sacrifice. Ce genre de chèvre qu'est, on lance ça sur l'arbre, on tourne le dos, on ne revient plus. C'est ça, Bossangui, c'est une chèvre. Bossangui, chèvre de sacrifice, c'est tout. Quand vous voyez, elle ressemble à quoi? Donc, je disais que il faut laisser tout à Dieu. Oui. Les histoires là qu'est. Fais comme ça, tu deviens comme ça. Mais il y a des choses qui sont vraies au pays. Il y a beaucoup de jeunes là. Que dans les entreprises, dans les milieux là, quand ils veulent avancer, ils donnent leur derrière, soi-disant. Ça s'appelle une domination. Oui, au pays là. Ce sont les choses d'Afrique, hein. Non, ici là, non, il n'y a pas ça. Ce sont les choses d'Afrique là-bas que tu entends que, oui, on m'a demandé, où c'est vrai, oh. On m'a demandé mon derrière. Après, c'est que machin, tantôt les filles, on voulait. Vraiment, les soirs d'Afrique. Moi, en fait, hein, moi, je suis partie du pays. Je vous ai dit, ça fait déjà 20, ça fait 20, 22 ans que je suis en Europe. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Oui, je ne connais pas ces choses.
les trucs. Je sais pas, vous êtes des bantous, c'est vrai, il faut faire des trucs. Et voilà, tu peux faire fait, non. C'est quoi? C'est tradition, non? Normal. Mais les histoires qu'on dit que prends la bague, tu te protèges par rapport à quoi? Hey, maman Guylaine, oh, on applaudit pour la tata des abeilles. La tata des abeilles. Hey, ma tata chérie. Non, tu vis au pays comme un mec. Pas le bébé, bébé, qu'on tape la bouche là. Tu es une dame comme ça. Laisser les petits maniocs, les mbrakata. Oui. Tu es le médicament de la chèvre. Chèvre de sacrifice. Une femme qui arrive au Cameroun, elle commande les meublés pour dormir là-bas. Elle dort où? Elle s'assoit. Pour acheter en Europe, c'est quoi? C'est le crédit. En Afrique, c'est le cash. Et même, il y a des enseignes au pays qui font le crédit. Hein? Mais quoi que le crédit de l'Afrique, moi je ne conseillerais pas à quelqu'un de prendre un crédit en Afrique. Hein? Parce qu'on sait comment ça tourne suivant, on va arranger ta chose. Donc, moi je ne conseille pas de prendre le crédit en Afrique. Donc en Afrique, on n'a pas cette culture de prendre le crédit. C'est du cash. Mais ici, Bozang achète le frigo, elle fait comme si, mais attends, arrête un peu, putain de bordel. Tu profites même pas de chez toi. Elle dort devant l'écran de Facebook avec 10 personnes en ligne. Tu veux te comparer à moi? Je suis une patronne. N'a son idée. N'en déplaise. Quand je ne suis pas là, toi-même, tu es bien malheureuse. Coflor de lit n'évolue pas. Vous êtes sûr que je n'évolue pas? Maman, de mon côté, laisse-moi bien. Pardon. Ne m'envoyez pas par la bague magique. Je vous avais déjà dit que je ne pars pas m'accrocher mon sang ou je ne vais pas décrocher. Là où je suis, si j'ai de quoi manger, je paye mon loyer. Je m'occupe, bon, mon fils, je ne m'occupe pas trop. Je ne m'occupe pas de temps en temps, petit dépannage. Si je peux déjà m'occuper de moi-même, Nawo, maman, c'est le travail. Je n'ai plus les gens en Afrique à envoyer l'argent. J'ai arrêté ça. Déjà, je n'ai même pas. Moi, je suis une foirata. Je suis bon, une bonne foirata. J'étais une ancienne riche avant. Hein. Tout Western New York, mon négro me connaissait. Partout. On me connaissait partout. Maman, c'était avant. J'ai dit que hein, les petits moyens, j'ai dit que hein, si je peux boire mon vin, que le propriétaire ne toque pas, que on va doubler les clés, paye le loyer. Non, je fais, mais je paye petit jonglage. Si je peux mettre même 50 euros de côté, que ah, on ne sait jamais, oui. Mais sinon, je vais chercher le milliard pour faire quoi avec? Toi-même, si on te donne le milliard, tu peux manger ça. Tu peux manger le milliard. Non. Laisse-moi bien comme je suis là. Mais si on me donne plus, je prends, hein. Je vais juste te dire que contentons-nous du peu qu'on a. Et remercions toujours le Seigneur, surtout de nous donner la santé. Parce que quand tu vas dans les hôpitaux, tu vois les milliardaires couchés comme ça, malades, toi-même tu confirmes que ouais, dont l'argent n'achète pas l'être humain. Donc arrêtez les longs yeux. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les Bosangui qui font que la jeunesse tombe dans les trous, dans les wataroutes. Les gens comme les Bosangui. Oui. Bon, ça, bien quel exemple pour la jeunesse? Rien du tout. Mes chers frères et sœurs, vous les Africains, la jeunesse, allez travailler. Allez work. Arrêtez de vous asseoir en longueur de journée sur Facebook. Fleur de lys a dit qu'aujourd'hui, tu tournes là-bas. Ouais, Coco Emilia, on ne la voit plus. Elle est même où maintenant? Putain, mes rêves de ta propre vie. Ta vie ressemble à quoi? Quand tu t'assois, tu critiques la mienne. Ta part de vie ressemble à quoi? Tu as déjà fait quoi? De ta vie, on a vu. Rien. Seulement à s'asseoir critiquer les gens. Vous n'êtes pas fatigué. Hein? Est-ce comme ça que vous avez les longs yeux? Les longs, longs yeux. Les longs, longs yeux. Allez travailler. Oui. Les longs yeux tuent. Les longs yeux font que tu entres dans la sorcellerie. Les longs yeux font que tu bouffes le ndiangui, tu n'arrives pas à rembourser. Et vous devez savoir, les filles, j'ai vu une jeune fille métisse là.
qui a marché nu. Les gens, ce n'est pas forcément la secte. Il y a ce qu'on appelle la dépression. Vous avez vos soeurs qui marchent ici à Château Rouge. Hein? Moi, je connais les Camerounaises que j'ai déjà vues. Que j'ai reconnu mais au Cameroun, que maman, ce n'est pas celle-ci. Ils ont déjà bu le vin, fumé le mbanga, tapé le ndepa. Il y a la drogue en Afrique grave. La cocaïne alors. Il y a les drogues là-bas qu'il n'y a pas ici. Tu peux fumer quelque chose. Ça te fait disjoncter. Oui. Mais les gens ne mesurent même pas la dose. Il y a ce qu'on appelle le mbanga. Les gens fument. Ils ne supportent pas. Ils sont en train de passer. Il y a les amis, quand ils sont en train de couper leur truc là. Prends, teste. J'ai déjà testé. Parce que j'étais à une soirée. Vous voyez, non? Les gens qui entraînent souvent les autres là. Tu peux goûter. J'ai dit que donc, c'est comme ça que l'affaire c'est. J'ai déposé. Donc, maman, tu peux aller essayer quelque chose que ton cerveau ne donne pas. Tu disjonctes. Oui? L'un de pas le shit. Parce que les gens qui fument même le non-contrôlé, si c'est le chito, si c'est le ndepa, ou c'est quoi, ils ne connaissent pas. Plus mélangé avec l'alcool frilaté. Mais tu t'élèves, tu commences à marcher la nuit. Tu commences à marcher. Maman, vous parlez même de quoi? Il y a ce qu'on appelle la dépression. Oh, c'est que les enfants dorment déjà, non? Mais, vous parlez de quoi? Peut-être la petite là, elle a tort. C'était la dépression. Maman, parlez de quoi? Les gens font les choses ici dehors, hein? Doucement. Oui, il faut faire attention. Il faut arrêter. Dès qu'on vous donne un petit truc au test, si tu n'as pas l'habitude de boire le vin ici, ne supprends pas ton estomac. Ne supprends pas. Bon sang, il y a des marchés nus. Vous savez que bon sang, il a fait ça. Les vidéos vont sortir bientôt. Bon sang, il a fait ça. Bon sang, il a fait ça, cette folle. Mais quand sa dépression l'avait prise, elle s'est déshabillée dans un parc au Canada. Elle a fait naturiste. Qu'elle vient démentir. Bosangi, j'ai trahi ton secret. Hein? Les gens ne connaissent. Tu sais que Bosangi, chaque fois quand tu vas m'attaquer, je vais dire les choses de ta vie. Comme ça. Bosangi, c'est. Mais elle a eu ça. Je n'avais pas voulu. Elle s'est confiée. Oui, je n'ai pas voulu. Parce que comme elle me fait beaucoup de la peine. Elle a marché nu pour avoir le pouvoir sur Facebook. Oui, elle avait fait ça. Elle sortait à 3 heures, elle marchait sur le parc où elle braisait le tilapia. Elle marchait sur le parc, vieille sorcière. Elle marchait là-bas pour devenir, pour avoir les vues sur Facebook. Bon sang, tu es où avec ça? Bon sang, tu es où avec? Donc tu t'es déshabillé, Joe. Florie est où là? Bosangi, vous savez ce qui se passe avec Bosangi, c'est que comme elle cherche la Stamaya depuis avec mon nom, ça ne donne pas. Bosangi décide d'aller voir un marabout. Le marabout qu'ils appellent au téléphone. Le marabout lui donne donc la recette pour venir arracher le pouvoir à Mafo. Mafo ne manque jamais. Oh. Donc, je manque pour gagner quoi? Non, attends, entre nous. Je vais mentir sur Bosangi pour profiter. Quoi. Une vieille chouette comme ça, elle peut m'apporter quoi. Je mens sur elle pourquoi. Donc, voilà Bosangi qui appelle le marabout. On lui dit que c'est à 3 heures qu'elle doit aller casser les œufs au parc où elle braisait le tilapia au Canada. Vous n'avez pas demandé comment. Vous n'avez pas demandé comment elle a fui le parc là. Elle tournait là-bas nudiste. Elle tournait là-bas dans le parc. Pour devenir, pour avoir les vues sur Facebook. Bon sang. Le marabout t'a trompé. Oui. Elle a tourné comme ça. Elle a fait ça pendant une semaine. Elle casse les œufs. Elle avance. Elle casse les œufs. Elle avance.
Elle ne tourne pas pour regarder le derrière. Parce qu'on lui a dit qu'avance. Elle casse, elle avance. Elle ne regarde pas le derrière. Elle a fait ça pendant 8 jours. Bien compté. Bossang a fait tout ça là. Ouais, ça, c'est manière. Rien. Au fait, c'était pour vous sensibiliser que les marabouts sont les menteurs. Voilà un exemple. Bossang. Trompée. Elle a été trompée. Vous n'avez pas vu comment elle Je n'aime pas, vous savez, je suis personne, hein, même quand je dis la vérité, je rigole, vous me connaissez déjà, je ne connais pas le mal, je ne sais pas mentir. Oh, pour ça, je voulais dire ceci, mais je ne sais pas comment tu vas te sentir. Vous vous souvenez, vous souvenez un moment quand Bozang dansait avec la tête rasée? C'était toutes les conditions du marabout. C'était toutes les conditions de ce même marabout. Oui. Quand elle rasait la tête là, vous voyez une femme qui se lève un beau jour, elle rase la tête, vous ne vous êtes pas posé des questions. C'était le même. Oui. Elle a rasé la tête. Le type lui a dit. Mais elle a déjà fait les sacrifices qu'à la Stamaya ne prend pas. Bosangi. Maman a sacrifié. Danser ici sur Facebook, c'était toutes les pratiques là, non? Oui, seulement ceux qui sont en Afrique. Elle-même, elle est passée par là, c'est juste sacrifié. Bosangi, don't do that one. Je la voyais, vous savez, quand vous étiez en train de rire là, je la voyais comme ça, je comprenais. Elle rase la tête. Aujourd'hui, il faut voir. Elle parle, Gordon, elle met ses yeux au milieu. Elle est là comme ça. Demain, tu la vois dans la piscine, elle dit qu'elle fait qu'elle. Elle peut danser qu'on voit là-bas. Elle a la danse, on l'a vu. Elle a appris la danse à combien de personnes? Koda, une personne qui fait le régime est grossie. Mieux je bois. Bossang qui fait le régime est grossie. Du jamais vu. Du jamais vu. Bossang, tu fais le régime, tu grossis. Quand elle fait l'agrément de danse, quelqu'un qui fait le. Ou c'est quoi danse là? Mais elle ne fait que prendre du poids. Vous croyez que c'était quoi? Ish, Bossang. Elle sort de loin, hein. Elle sort vraiment de loin, cette femme. Vous savez, des fois j'ai envie de dire les choses sur elle, mais elle me fait beaucoup de la peine. Parce que malgré tout, c'est ma bique. Malgré tout, c'est ma grande. Moi, je dis pour sensibiliser la jeunesse, c'est ceux qui viennent me détourner sur Facebook là. Vous allez beaucoup faire la route, hein. Moi, Bossangui, elle a rasé la tête. Elle a marché dans le parc. Elle a brûlé même sa maison. Tout ça, la Stamaya n'a pas pris. Soyez sage, la jeunesse. Soyez sage. Elle sort de loin, cette femme. Elle a vécu dans les poubelles combien de temps? Nous tous, on a vu ici. Elle vivait dans les poubelles, quand la caméra se tournait. C'est vous, elle vivait dans le garage. Ouais, merci pour les étoiles. Bon sang, c'était seulement un petit coucou en passant, hein, pour te dire qu'on ne t'oublie pas. Oh. Les cachets, là, il faut doubler. C'était seulement un petit coucou. Je suis là, prête pour les clashs, mais c'est moi qui choisis avec qui je fais les clashs. Parce que c'est moi la patronne. C'est moi qui décide à qui répondre. Et c'est moi qui décide à quel moment répondre à qui. Et c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Je suis la télécommande. J'étais seulement envoyé un petit bonjour. Ce n'est pas les clashs. Moi, je ne connais pas clasher. Parce que je ne connais pas la haine. Je ne sais pas. Tu vois un peu. Moi, je ne sais pas. Pourquoi? Je vais t'haïr que je te connais où? Je ne connais pas ça. Et c'est ça qui fait les gens vous détestent. Parce que vous venez, vous, une personne qu'on connaît, pour vous montrer que vous. C'est-à-dire que vous montrez que vous voulez que tout le monde déteste la personne. Et ça se retourne contre vous. C'est ça le problème. Fais ton truc. Je suis les parents. Est-ce que les gens ne sont pas là? Je suis en train d'insulter qui? Je suis là, je blague, je n'ai rien à faire. Je reste un peu comme ça parce que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vu. C'est-à-dire que je n'ai rien à dire. Je vais prendre ceci et parler, prendre ceci. Coucou, la PDG des bureaux, le médicament de Borosanguina, bim! La PDG des bureaux. Elle dit que merci. Merci, ma PDG. Merci, ma belle-sœur chérie d'amour. Hey! Maman Bozang, tu lui donnes le work, hein? Bozang, tu lui donnes le travail jusqu'à. Bertrand Saumon, ça va, hein? Bertrand Saumon, chic. Un autre.
la PDG des bureaux, pendant que tu travailles, tu es belle. Faut te voir quand tu... Hey! Bon sang, il ne voit pas ton carreau. Une femme qui boit. Hey, la PDG des bureaux. Tu sais que Bossang vivait les fonds de bouteille dans l'Enganda. Hein? Hé, hey, Lou. Ah, vous ouvrez la ligne. Ok, appelez alors. Ouvre la ligne. Appelle alors si tu veux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert la ligne, non? Laisse-le. Demain, on ouvre la ligne. Je vais aller dormir. PDG des bureaux, le médicament de Borosangi. Maman, tu as donné, bim, Borosangi, les antidépresseurs de ça. Il faut la voir. Qui la gère? Ne lui réponds pas, dis donc. C'est une personne là-bas. Elle veut qu'on lui réponde. Une saleté comme ça, dis donc. Oh, ma PDG des bureaux. Je te fais des gros bisous. Ta mère t'attend ici, oh. Et félicitations encore, comme tu es grand-mère. Regarde comment la PDG des bureaux, elle est chez elle. Il faut voir comment ses enfants sont dynamiques. Les enfants sont là, ils travaillent. L'enfant se lève, l'enfant, l'autre sait qu'elle lave les assiettes. L'autre, quoi, respectueuse. Il faut voir quand j'étais là-bas, tata dort. Tata dort. Bonjour tata, t'as bien dormi? Il faut, mais... Bossang, il prend le temps pour éduquer les, tes siens. Laisse la PDG des bureaux tranquille. Tu ne l'atteins même pas même. J'ai dit qu'un... En tout cas, tout ce que nous, on sait que ton mari a fugé. Ton mari a fugé une Guinéenne. C'est de ça qu'il s'agit. Va prendre ton mari chez la Guinéenne. C'est tout. Il y a quoi? Tu envoies à la PDG des bureaux. Pourquoi? Espèce de voleuse de conseil. Tu as volé au conseil de la PDG des bureaux. C'est elle qui avait créé la journée internationale de la femme. Tu es venu me voir en solo que viens au Canada. Sinon, ce n'était pas toi que je venais. Vous étiez deux amis. Tu es venu derrière. Tu as volé au conseil. Tu m'as contacté. Je ne connaissais même pas qui était. Je pensais que c'était la même personne. C'est pour ça que je suis venue chez toi. Et langue noisoute. Mais biche. Et langue 150. Tu vas faire les directs voleuses. Ça veut dire que Bossangi. Donc tranquille, tata. C'était juste une vieille chouette. Donc tranquille. C'était pour te saluer. Qui m'appelle? Oui, allô? Allô? C'est qui bip? Si tu, on est en France. Si tu n'as pas le crédit pour appeler, n'essaye pas. Tu bip, tu me bip pourquoi? Vraiment, il y a des gens qui bipent ma WhatsApp. Moi, ça me, vraiment, les Noirs, hein, vraiment, les Africains, moi, je ne comprends pas. Vous bipez même avec. Ça veut dire que le bip, c'est fini, ça. C'est Bossang qui appelle, elle va intervenir. Un jour, la femme là va appeler ici pour parler dans le direct. Ça sera toujours les effets de son marabout. Oui, allô? Oui, chérie. Bonjour, ça va? Oui, j'ai pas mis le haut-parleur. Hein. Non, pas aujourd'hui. N'insulte pas Bossang aujourd'hui. Laisse. Laisse, on va travailler Bossang. Demain soir, comme je vais déjà dormir, il faut qu'elle pas dormi. Non, je m'avais dormi dans la chambre de ma mère. Elle va bien. Je vais dormir dans sa chambre à côté d'elle. Oui, mon cœur. Bisous. Bisous. Moi, je dors avec ma mère. Bossang, vraiment, je ne comprends pas. Je ne me demande si Bossang, tu as ressenti l'amour maternel, Bossang. Moi, je suis dans la chambre de ma mère, une place. Oui, moi, j'ai dormi à côté d'elle. Mais quand elle dort, il faut qu'elle laisse mon téléphone ici, là, parce que après, elle veut commencer à zapper le téléphone. Elle ne veut pas. Donc, elle m'avait dormi dans la chambre de ma mère. Comme ça. Je vous aime, mes cœurs. Bossang Bingui n'a jamais connu l'amour. La chèvre du Canada. Chèvre du sacré. Ouais, maman. Bossangi, est-ce qu'elle a connu même l'amour maternel? Nous, quand on se lève le matin, vous savez, quand on se lève le matin au pays, quand on est petit, non. Dès qu'on se lève, la personne qui court dans la chambre de la matin, c'est-à-dire qu'on court seulement que le matin, chacun va se coucher là-bas. Attends, dès que tu as la place, d'autres se couchent par terre, d'autres, on est tous là. C'est comme ça qu'une mère transmet l'amour à ses enfants.
Tu es là. Bossang a parlé de ma mère combien de fois ici? Tous les jours. Pendant que ma mère était malade là. Hein? Les détracteurs là, ils ont fait les directs pour insulter. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Les gens n'ont pas de limite. Les gens n'ont pas de limite. Comment vous pouvez faire le direct sur... Non, je prends pas, pardon, ne m'appelez pas, non. Oui, allô? Oui, ma chérie. Non, j'ai pas mis. Bozang, c'est une personne ça. C'est une personne ça. Et ils ne savent pas que c'est l'art. Hein. Moi, c'est donné. Il faut retenir l'autre. Ils ne savent même pas. Tu sais qu'ils viennent avec la haine comme si. Tu vois, non? Comme s'ils me réclamaient. Que, alors que moi, ils m'assoient. Je perds mon temps avec mes gens. Les gens, ça leur donne même le goût de regarder. Ils peuvent donner le goût. Ils vont que sauf que voir. Ils vont sauf que voir. On va les traiter. C'est que si on ne vient pas sur Facebook parce qu'on n'a pas le temps, parce que bon, il faut aussi venir partager la joie comme ça avec des gens, tu vois. Ça me fait plaisir de partager le moment que les gens voient que ça va. Puisque ça m'a affecté. Et dès que ta personne n'est pas bien, ça t'affecte directement. Et ça, c'est un truc que tu ne peux pas cacher. Même si tu forces, on voit que tu n'es pas bien. Là, ça se voit que je suis bien, non? Que ça va? Merci, mon bébé. Merci, cœur. Non. Ça va, chérie. Non, ça va, mon cœur. On est là, non. Si Dieu nous laisse encore 2 jours avec elle, est-ce qu'on va refuser? C'est Dieu qui décide, non. Mais on veut profiter, non. Vraiment, il faut rester en prière. Je t'ai dit. Bisous, mon cœur. Bisous, chérie. Bon, mes amours. Bonne nuit, non. J'ai même pas mangé. Bon sangui. Ouais. Mes gens. Bon sang, ils sont avec un vieux père d'oie là ici à Paris. Hein. Son chaud. C'est un vieux père ça, voilà. Vous pensez les anciens pays d'oie là. Bon sang, il vient démentir ton chaud à Paris. C'est un vieux père d'oie là. Il est même marié. Hein. Vous voyez les pères d'oie là qui ont les cheveux blancs, beaux, non? Qui ne sont jamais allés. Donc, ils ne gèrent pas l'Afrique là. Ils sont. On les anciens, les anciens parigots. C'est le show de Bossangui. Bossangui, si je m'en viens démentir le vieux père d'Oala marié, que tu as collé la paternité de l'enfant à lui, le père d'Oala là, viens nier. J'ai vu sa femme l'autre jour. Elle a envoyé même le transfert d'argent. Comment on appelle c'est MoneyGram. Ce qu'on envoie là à ta fille. Voilà le père que tu allais sortir. Montre tes vrais gars, on voit. Même le vieux père doit là. Elle traînait à Paris, moi, Jean. Bon, ça, il y a un temps à tourner à Paris, non. C'était pour faire la bordelerie dans le milieu. Elle voulait faire la bordelerie. Tu vois, non, elle cherchait même le gigolo à Paris qui va la gnasse. Même les gigolos sont tombés dans les Sussongo. Quoi, la qualité, c'est maman. Qui est d'abord sur Facebook, qui insulte notre mafo. On part où avec elle? On fout quoi avec ça? C'est vrai que Flore Ila n'est pas facile, mais elle insulte la petite fille là, pourquoi? Dis donc, même les gigolos ont refusé son cuit. Demandez non. Oui, je ne mens pas. Oh, ok, ma faut mange jamais. Je mens pour gagner quoi? Bon sang, c'est qui? Il va manger sur elle. Bon sang, un vieux père d'oie là qui. Pourquoi c'est les vieux pères d'oie là qui sont venus à l'époque d'Aïcho? Au temps d'Aïcho là. Qui sont à Paris, ils watisent, non, ils parlent. Tu vois, il y a les vieux pères d'oie là qui parlent, non. Mais c'est quand tu te retournes que tu vois que ah, c'est un noir. Donc s'il est dans le noir, il part, tu crois que c'est un blanc. Mais c'est quand tu tournes la tête que tu ah, c'est un Africain ici. Oui, c'est pas ça pas qu'elle a trouvé l'homme marié de Trouy. Le gars, elle a rôdé encore autour de lui. Oui, la PDG des bureaux. Bon, c'est un vieux père d'oie là. Tu n'as
Tu n'es pas oublié. Yeah, tu connais ma face. On l'a refusé. Oh, elle tournait, non? Pour venir qu'elle se fait voir comme une petite fille. J'éticule. Maman, c'est une petite fille, maman. Une femme qui ne peut pas porter les talons. Elle ne peut pas porter les talons. Bon sang, qui porte les talons, on voit. Faut voir la PDG des bureaux. Quand elle met ses petits talons-là, une femme baffant, sexy. Elle marche, elle met ses mini-là. Quoi? Peut faire la con. Bon sang, même dans la bordellerie, on se met en route, je prends les clients plus que toi. De toute façon, ça ne serait pas nouveau. Vu que je suis plus jeune que toi, je suis plus fraîche que toi, je suis plus bonne que toi, je peux ignace plus que toi, je peux former les positions plus que toi. Bon sang, you know. Hein? Hein, les gens? Mais bon sang, mais une femme qui porte les baskets. Du 1er au 31, elle porte les Rocafi Jazz. Parce que les baskets encore. Le dimanche, on met les baskets. Elle porte les Rocafi Jazz. Chouk Miadaï. Chouk Miadaï. Les chaussures de Bossang et Chouk Miadaï. Voilà ces chaussures. Hein? Les Pointinini. Pointinini. Bossang avait les Pointinini en plein France. Maman, le jour que Bossang arrive à la soirée à Paris, alors. Pour venir me combattre. Elle arrive en pointinini. J'ai d'abord reçu une photo de ses pieds. La chaussure, on m'a d'abord envoyée. Elle était. Elle était au Shabat. Elle arrive à les pointinini. Vous connaissez les gars qui sont en sécurité à Paris là. Ils ont eu un Ivoirien là qui est d'abord fan de ma. Il a d'abord fait la photo. Il dit que ma faut. Bon, ça y est, non, je ne prends pas la ligne de cœur. Non, je ne prends pas le téléphone. Je n'ai pas envie de parler. Voilà, je n'ai pas envie de parler. Donc, bon, Sangui arrive le jour-là pour faire la chaudasse. Elle a mis les pointinini. Elle a mis la doudoune. Elle entre dans une salle avec la doudoune. J'ai en plein Paris. Et elle était au Shabat. Maman, j'étais belle. Mais vous-même savez que quand je m'habille, que je sors dans les soirées, je connais ma morphologie, je m'habille bien. Je suis classe, je chic. Je ne doute pas quand j'arrive, je sais que je suis. J'étais moi là-dedans, nyangalisé, là, on s'amusait. Bon sang, il était au fin fond. J'ai dit qu'elle est en train de guetter. Que parce qu'elle croyait qu'elle va me combattre. Et j'étais toujours entourée, la sécurité rapprochée, la reine, mais que Bossang, les abeilles la cherchaient, c'est manqué. On va écraser son pied. C'est tout. Voilà une femme, voilà la vie d'une femme qui veut ouatiser, qui veut venir à Paris, même acheter le banc. Elle n'est rien terriblement. Elle n'est rien dans terriblement là. C'est vous qui, vraiment, vous croyez à cette ancienne folle. Cet ancien pimentier de hôtel de ville, comment on appelle à Yaoundé là, hôtel des députés, là-bas devant. Ça, c'est Borosangui. Et vous voulez croire à ce qu'elle veut? Vous voulez croire à une femme comme ça? Une femme qui a fait le faux test Covid. À l'aéroport, on l'a arrêtée. Elle a crié au scandale. Payer 20 000 pour faire le test Covid, l'a dépassé. Elle allait faire le faux à 3 000. On l'a arrêtée. Oh, il faut voir Bossang, elle a pris un bon un marron. Elle criait, je suis star. Qui la gérait? Qui la gérait? Oh, ça faisait pitié, Bossang. Tu sais, tu fais tellement pitié, mais je te salue seulement. Hein. Je te salue seulement comme ça, en passant. Pour dire que comment tu vas? Tu allais récupérer ton mari. Elle écarte dans les gandas. Une femme qui boit en gandas, moi je n'ai jamais saoulé Bossangui. Moi, faut ne mange jamais. Je saoule par rapport à quoi? Tu ne peux pas mesurer ta quantité de boss. Bossangui ne peut pas s'acheter une bouteille. Elle boit les fonds. Les fonds. Donc quand elle arrive que pas, non, que tu achètes ta bouteille, elle boit le reste, le fond là. C'est une videuse des bouteilles. Elle est terriblement rienton. Elle n'est rien dans terriblement mariée. N'importe quoi. Elle peut s'acheter une bouteille. Une femme qui va marcher avec le vin mousseux dans le sac. Elle n'a pas. On bon sang que tu peux ouvrir une bouteille de champagne. Tu bois.
Arrête d'acheter. Arrête de marcher avec les vins mousseux. Fais la recette à tes copines qui ont l'Ouganda au Canada. Tu n'es pas intéressante. Tu n'es pas excitante. Tu n'es pas propre. Tu n'es rien. Tu es terriblement, terriblement rien, ton. Tu vas sortir l'homme de truie dans la bouteille. La bouteille s'est cassée dans. Bien. Oui. Tu ne peux pas manger. J'ai fait le poisson braisé là. Je vais doser la tête là tout à l'heure. Tu peux manger. Tu peux bien manger le bar. Tu peux bien manger. Ma pépé, hey, j'ai déjà mangé le poisson là. Notre poisson là. J'ai déjà dosé sa caisse. C'est ma nourriture. Oh. Ma pépé, en tout cas, ma pépé m'avait dit que maman. Mange si tu veux manger. Je les salue. Bon sang, il faut remercier le Seigneur parce que je t'ai envoyé beaucoup de salutations ce soir. En fait, tu as toujours prié pour que. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas salué. Ça fait très longtemps que tu attends que je te salue. Aujourd'hui, tu as gagné le jackpot. Je te salue. Ta star, ta Kimka, t'a envoyé un petit bonjour ce soir. Sois-en fière. Tu peux porter ça et mettre dans ton cuit où je pense. Bonne nuit. Je vous libère. Parce que toi-même, je te libère. Si tu ne dors pas, tu ne dors pas. Premier travailleur sans salaire de la reine mère. Mes gens, je vous salue. Non. Un gros bisou. Bonne nuit. Merci. Vous étiez nombreux. Merci de m'avoir suivi. Merci à tout le monde. Bonne nuit. Je vous aime. On est ensemble. Bisous. Mouais.